Big up les potos. Aujourd'hui un petit nouveau qui vient d'arriver, enfin, un petit senton. Cool. Je vous fais un petit tour rapide. Donc c'est le 3S. Toujours en spectrum. 7 kg métal pour le cerveau, 100 ampères et 3200 kV. RTR. Waouh! Qu'est-ce qu'ils nous disent dessous? IC5. 51 à la couronne. Voilà la bibite. Passons dans le réel. Eh oui, il est vert. Désolé, j'ai la tamise, les gars. Des bonnes roues. Bon, le chrome va pas tenir, hein. On connaît tout ça. Et l'arrière, je trouve qu'il est magnifique. Bien agressif. Bon, passons aux choses sérieuses. Bon, il est livré avec la zapette, on la connaît. STX2. Bof. Au moins une petite mousse sur le volant, ça aurait été pas mal. Au moins ça, c'est dommage. Puis le bouton, là, je l'ai cherché un moment. On a ses habitudes. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Bon, le bind. Une clé que je connaissais pas, un peu merdicos. Des clamps pour les amortos. BTR. Alors, qu'est-ce qu'on a? Kit démarrage, les stickers, bon, on connaît quoi. Par contre, l'éclaté était pas mal, il me semble. J'ai regardé ça. Oh, désolé. Je trouvais pas mal. Treize, quinze, vingt et 26 tours. Je vous le fais à la volée parce que j'ai encore rien lu. Hein. J'ai rien regardé. Donc voyez un petit coup à l'intérieur. J'ai juste été curieux. Donc j'ai soudé XT90. Passé livré en IC5. Des bonnes sangles. Leur masse est cool. Leurs sangles, elles sont bien. Je trouve sympathique.
Il me semble qu'ils ont changé quelque chose, ils ont mis du métal là à l'arrière, autour du slipper, sur le support. À l'époque c'était en plastique. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que la portée, la petite portée qui est là, donc le roulement, il tourne sur place au fait. Il n'est pas bien serti cette histoire-là. Il aurait fallu vraiment un... Oh là, pardon. Il aurait vraiment fallu un palier comme il faut. Là, c'est un roulement tenu par habitude. Ça, c'est peut-être un peu dommage. Ça ne devrait pas bouger, mais à la longue, il suffit que le roulement grippe et puis c'est la cage qui tourne. Ça craint toujours, ça. Alors, des amortos aussi, hein, à applaudir. Ils feront le taf, hein, mais voilà. Plastique, on peut mettre deux, trois options là. Les fusées sont sympas en alu. En option. Peu de place. J'ai que deux mains. Pourquoi on a que deux mains? Faut que j'achète un stab. Hein. Bon, là aussi, ils auraient pu pousser, je trouve, peut-être à 120 ampères, ça aurait été pratique. Là, le 100 ampères est bridé à 3S. C'est dommage. Peut-être que 4S aurait été bien, je pense. On verra. Mais comme ils ont sorti le 6S, alors le poids de la batterie, 6S, je me dis que le 3, 4S pourrait faire l'affaire. Alors, à voir. À voir, à voir. Je sais pas si on voit bien le travail. Pas mal. Un petit peu dur derrière, mais on va essayer comme ça. Plus dur à l'arrière qu'à l'avant. On va essayer comme ça, on verra. Bon les gars, je vous dis à tout bientôt pour le test. Et puis on verra ça. Qu'est-ce que ça donne? Ok? Allez, big up!